La chose importante, je crois, c'est de dire que réglementation, régulation et innovation vont ensemble, en fait. C'est-à-dire que, d'abord en tant que citoyenne, moi je suis très heureuse d'être dans un domaine, enfin dans un pays où les données de santé sont prises très au sérieux par des agences réglementaires. Mais au-delà de ça, je dirais que la réglementation et la contrainte, en fait la contrainte réglementaire va créer de la créativité dans les entreprises pour pouvoir répondre aux besoins dans cet univers contraint. Partout, de tout temps, la créativité dans l'art, dans plein de domaines, n'existe que s'il y a des contraintes. Et nous, notre société, Calmedica, s'est bâtie, et la grande opportunité qui nous a fait vraiment développer et qui nous a amené au succès, c'est une contrainte réglementaire qui obligeait les hôpitaux à appeler tous les patients la veille et le lendemain d'une journée en chirurgie ambulatoire. Et nous, on a proposé aux hôpitaux un agent conversationnel, donc un chatbot, qui communiquait par SMS avec les patients et qui donc permettait aux infirmières de ne s'occuper que des patients qui réellement le nécessitaient, alors que les patients qui allaient bien étaient traités par le robot. Donc je dirais que, d'une certaine façon, cette réglementation, je prends ça comme exemple, a créé de l'innovation. Et nous, c'est dans cette brèche qu'on s'est engouffrés.